Très tôt. Donc je suis Julien Boyat, je suis graphiste freelance depuis 2003. Ça va, on m'entend et tout, c'est cool. Ouais. Lumière. Ouais. Je travaille à Toulouse depuis 5 ans. J'étais à Paris avant. J'ai des clients surtout dans la com. J'ai fait pas mal de petites entreprises, pas mal de grosses. Maintenant, je travaille dans les agences. Bon, je suis ici surtout parce que j'ai écrit un bouquin sur le métier de graphiste, parce que depuis longtemps, ça m'a toujours intéressé savoir un peu comment faire pour faire de cette passion un métier, parce que c'est quand même quelque chose de particulier. J'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. J'en ai tiré pas mal de conclusions. Donc aujourd'hui, pour cette conf, j'ai 15-20 minutes, c'est assez court, ça sert à rien de vous raconter ma vie. Je vais essayer de faire des trucs un peu utiles, parce que comme vous êtes venu ce matin, quand même, le moindre des choses, c'est de faire quelque chose qui vous serve à quelque chose. Donc je vais vous donner quelques clés de la pratique professionnelle de la création. On va pas trop parler aujourd'hui de création. Comme dans les conférences précédentes, on va parler du métier en lui-même. C'est quelque chose de particulier. Donc, sous forme de quelques conseils, des trucs que j'ai pu comprendre, c'est des conseils qui n'engagent que moi. Vous êtes libre de les prendre ou pas. Maintenant, je vous les donne parce que j'ai l'impression que ça marche pas mal. Et je pense que c'est important parce qu'il y a des trucs sur lesquels, à côté desquels pas mal de créa passent. Ça peut paraître parfois des conseils un peu de bon sens, des trucs un peu évidents. On se dit, bah oui, c'est évident, mais en fait, je vois énormément de gens qui passent à côté et ça leur pose beaucoup de problèmes. Commençons. Premier conseil, c'est un peu paradoxal pour un créatif, c'est d'arriver le plus possible à mettre le personnel de côté. Je dis que c'est paradoxal parce que par essence, on est des créas, donc ça veut dire que notre métier, ce qu'on nous encourage à faire, ce qu'on a toujours cultivé chez nous, c'est de mettre notre personnalité, nos émotions, notre sensibilité dans notre travail, un peu plus que un travail, on va dire, classique. Donc, on est impliqué émotionnellement dans son boulot. Et c'est là où, justement, il faut faire particulièrement attention. Moi, je dis qu'un créa doit faire plus attention que n'importe quel professionnel, au contraire, à être le plus analytique, le plus rationnel possible. En gros, toute son émotion, son implication doit s'arrêter à ses créations. Elle ne doit surtout pas déborder sur le reste de son boulot. C'est pour ça que je montre un cerveau qui se coupe en deux. C'est un peu la difficulté, un peu l'essence du métier de créatif. C'est d'arriver à être deux personnes à la fois, à prendre du recul sur ce qu'on fait. À la fois à s'impliquer. D'ailleurs, je pense que tous ceux qui sont créa le savent, c'est très difficile. On doit s'impliquer, on doit donner de soi, on doit donner de ce qu'on aime, ce qu'on veut dans son boulot. Et à la minute qui suit, pour accueillir des critiques, des remarques, une remise en question, quelque chose, on doit tout de suite regardez ça comme si on ne l'avait pas fait, comme si c'était quelque chose, on doit être capable de l'abandonner, de le changer. Alors pourquoi il faut être capable de ça? Il y a deux raisons. La première, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est tout simplement c'est ce qui nous permet d'être bon dans notre métier. Celui qui est trop impliqué, qui n'arrive pas à se séparer un peu de son travail, ne va pas pouvoir répondre aux objectifs des autres. Il ne va pas pouvoir tout simplement prendre le recul nécessaire, se mettre en retrait. Un artiste, par exemple, en théorie, n'a pas cette contrainte, puisque lui, il travaille, son œuvre se suffit elle-même, il peut travailler dans ses objectifs à lui, donc il n'a pas cette espèce de jugement, il n'a pas cette espèce de servitude à des objectifs qu'ont les créatifs. Un créatif qui se conduit comme ça, vous le savez tous, on dit qu'il se prend pour un artiste, c'est le truc classique, bon, on ne peut pas faire ça, personne ne peut faire, non, moi je fais ce que je veux, ça c'est évident, bon, je ne vais pas vous seriner avec ça, tout le monde le sait ici. La deuxième raison qui est plus importante, c'est que comme justement c'est notre rôle, d'être sensible, de prendre les choses de façon assez personnelle. Il y a des tas de gens dans le travail
qui côtoient les créatifs, qui vont consciemment ou pas consciemment, plus ou moins volontairement, en tirer parti, en profiter. C'est pas forcément volontaire, ça l'est souvent aussi. Par exemple, moi je travaille dans la communication, c'est assez particulier parce que les gens, dans les pubs, hein, vous le savez, leur métier, c'est de contourner la réflexion des gens et de parler à leurs émotions pour leur vendre leur truc. Hein. Donc, entre eux, ils s'en rendent même plus compte, mais ils sont sur un mode très perso. Ils sont sur un mode très personnel et ils le sont aussi avec vous. Et tous ces gens, il y en a d'autres qui vont le faire vraiment pour vous exploiter, pour vous manipuler. Hein. Ils vont toujours essayer de faire glisser ce qui devrait être une relation professionnelle sur un mode personnel. Et ça, les créatifs, les graphistes, les illustrateurs, les auteurs sont particulièrement en danger face à ça parce qu'ils vont avoir du mal justement à savoir quand est-ce qu'il faut arrêter d'être sur un mode perso. Avec les éditeurs, il y a pas mal de soucis aussi du même genre. Je ne sais pas s'il y a des éditeurs dans la salle, mais des auteurs édités, la relation éditeur-auteur, elle est très particulière. Il y a un peu de paternalisme, il y a un peu d'entourage comme ça qui peut parfois déborder pas mal. Toutes ces pressions, toutes ces méthodes qu'ont toutes ces personnes, donc plus ou moins volontairement, plus ou moins, elles ont une conséquence ou un but parfois, donc c'est de prendre un certain ascendant psychologique sur le créatif. C'est cet ascendant psychologique, pour ce que j'en ai vu, c'est le problème numéro un des créatifs qui travaillent, que ce soit en salarié, en freelance, à leur compte, n'importe quoi. 80%, 90% franchement des problèmes de carrière, de gestion de leur métier, de ce qu'ils font de leur journée, des créas, c'est un problème de ça. C'est des gens qui n'arrivent pas à prendre leur distance vis-à-vis de cette espèce de prise d'ascendant qu'ont leurs interlocuteurs sur eux. Ce n'est pas forcément des supérieurs, ça peut être même des collaborateurs. Alors comment éviter de se faire manipuler? Alors il y a une règle très importante, quelque chose qui... Alors je dis pas qu'il faut être froid, intransigeant, pas sympa avec les gens avec qui on travaille, au contraire, hein, comme tout le monde, moi j'ai envie de bosser dans des relations sympas, de confiance, avec des gens avec qui on se marre, on peut même avoir des relations à peu près amicales, je dis à peu près parce qu'on n'est jamais amis avec ses clients, faire attention. C'est possible, mais il y a une règle justement très importante, qui moi me sert de fil conducteur dans tout ce que je fais, dans toutes mes relations, autant dans la négociation qu'en fil de contrat qu'après, c'est que tout est question, dans le boulot, tout est question d'échange de valeurs commerciales équivalentes, toujours, c'est-à-dire... Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quelqu'un qui vient vous voir pour travailler, il vous fait pas travailler pour vous rendre service, pour vous faire plaisir, parce que vous êtes sympa. Il n'est pas là pour vous aider. Il est là parce que ce que vous lui apportez, il va le revendre plus cher. Personne, jamais, ne paye quelque chose plus cher que ce qu'il estime valoir. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je suis sûr que tout le monde a déjà eu ce genre de réflexion, tu me dois bien ça, on est copains, faisons pas de contrat, tu peux pas nous faire ça, je croyais qu'on était copains. C'est chiant, il y en a qui pensent qu'à l'argent et tout. Tous ces trucs-là, c'est vraiment le piège. Vous devez jamais rien aux gens avec qui vous travaillez, c'est vraiment le plus important. Vous ne devez rien d'autre que votre travail. Les gens vous payent ou vous demandent des choses. Vous ne devez rien de plus à ces gens-là que ce que vous créez. Donc, vous devez vous impliquer dans votre création, mais pas dans le reste. Il faut essayer de prendre ses distances. Alors, c'est un peu difficile, donc c'est toute la difficulté de l'exercice. Comment on sait quand on déborde dans une relation professionnelle? Il y a un principe qui découle du premier. C'est un indicateur hein, que moi je garde comme une espèce de règle. C'est ce que j'appelle l'équilibre des engagements. C'est-à-dire que concrètement, quand vous vous engagez à quelque chose, en face, on doit s'engager de la même façon. Un exemple tout bête, un client vous dit, voilà, tu dois faire ce boulot en tel temps, sinon, tu paieras une amende. Ça arrive dans le public, par exemple, beaucoup. Il y a des trucs comme ça. Bon, on dit. Éventuellement, s'il faut décrocher ce contrat, on veut l'avoir, ou si on veut choper ce job, on veut le prendre, on dit OK. Par contre, il est évident
que la personne en face doit s'engager de la même manière. Donc, par exemple, d'accord, mais on fait un planning de validation, d'envoi des éléments, tu le signes, et à partir du moment où toi, tu respectes tes engagements, je respecterai les miens. Sinon, le danger, dans cet exemple-là comme dans plein d'autres, c'est qu'on vous mette tout sur les épaules, vous vous retrouvez le dindon de la farce, entre guillemets, et puis les personnes, en gros, il y a des équipes d'engagement qui fait que vous serez toujours perdant. D'autres exemples, le client demande une réduction, d'accord, mais dans ce cas-là, il doit lui aussi réduire ses trucs. Ou alors le classique, vraiment là, que tout le monde connaît, tu nous fais ça pas cher ou à prix préférentiel, en échange, on te fera bosser tous les mois, le truc de base. Alors ça, oui, sauf que vous, dès le départ, vous vous engagez, puisque vous facturez, vous vous faites payer, en tout cas, moins cher que ce que vous devriez. C'est déjà un engagement. Donc, si vous faites ça, le gars doit vous signer le contrat qui va avec, disant que je te fournis tant de travail tous les mois, sinon je te paye 50% de ce qui n'a pas été fait. À partir du moment où cet équilibre-là n'est pas parfait, ça veut dire qu'il y a une situation de déséquilibre, il y a une situation de domination d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est vraiment le danger. C'est ce qu'il faut éviter le plus possible. Tant que vous arrivez à maintenir cette espèce de stade où quand vous renoncez à quelque chose, en face on renonce, quand vous rajoutez, en face on rajoute, vous êtes à peu près, pas certain, mais disons que c'est un bon signe d'une relation saine au niveau professionnel. Un troisième conseil, c'est autre chose, mais bon, c'est un peu le même domaine. Du coup, bon, vous l'avez compris, en fait, je vous parle de psychologie en fait, aujourd'hui, parce que c'est un domaine dont les créas ne parlent jamais, ni dans leur formation, ni dans leur métier. On parle culture, on parle art, on parle technique, on parle méthode, on parle jamais psychologie. Alors que les créatifs sont, c'est pas faible, c'est pas le mot, sont à ce niveau-là de leur formation, de leur pratique, c'est un point qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, qui est problématique souvent, et sachant qu'on est en face de gens, donc clients, PDG, directeurs d'entreprise, commerciaux, éditeurs, dont le métier, c'est d'acheter, de vendre, de négocier, on est vraiment en slip quoi, face à ces gens-là. C'est pour ça que je parle de ça, depuis le début, en fait, c'est un peu mon credo. Je parle de psychologie, même si c'est de la psychologie assez empirique. Le conseil que je voulais vous donner, alors c'est super bateau, ça ressemble à vraiment un conseil à deux balles, c'est qu'il faut accepter la critique. Alors évidemment, la critique, c'est ce qui fait avancer, il faut écouter les gens, il ne faut pas rester sur son petit nuage et tout, gna gna gna, c'est important. Moi, ce que je rajoute à ce conseil-là, c'est que la critique, il faut surtout la choisir. Ce que j'entends par là, c'est que je connais beaucoup de gens, beaucoup de créas, qui souffrent beaucoup de ne pas arriver à choisir ce qu'ils écoutent, ce qu'ils n'écoutent pas. Quand on est créa, donc on est sensible, on écoute un peu tout. Il faut avoir des critères de sélection des gens qu'on écoute, tout simplement. Que ce soit en bien ou en mal, c'est-à-dire que des fois, on serait mieux avisé de ne pas écouter quelqu'un qui vous fait des compliments. Et des fois, on se sentirait beaucoup mieux de ne pas écouter certaines critiques. Il faut avoir des critères. Alors, des critères... c'est à vous de les prendre, moi je ne vais pas vous donner les critères, parce que là pour le coup c'est quelque chose de très personnel. Ça peut être des gens, vous pouvez choisir d'écouter des gens qui sont reconnus dans leur métier, ou dont vous admirez le travail, c'est des trucs évidents. Des gens en qui vous faites confiance pour des raisons, là, rationnelles. C'est pour ça que je vous parlais de faire la différence et d'arriver à être rationnel. Il faut arriver à choisir ces critiques sur des critères objectifs. Vos amis, vos proches peuvent être les bons conseils quand il va s'agir de savoir si votre métier vous rend heureux dans votre vie personnelle, si la vie personnelle n'empiète pas trop sur le boulot, si vous êtes bien à votre place et tout. Par contre, sur votre travail, leur avis, ça fait plaisir à l'ego, mais ça sert à rien. À l'inverse, quelqu'un qui a un avis sur votre travail, donc qui est compétent, qui fait partie de votre sphère de métier, tout ça, bon, eh ben, il peut avoir un avis compétent là-dessus. Par contre, sur votre vie personnelle, ça ne sert à rien de lui demander son avis, et puis quand il vous le dit, il ne faut pas l'écouter. Donc, les critères, c'est les vôtres, mais ce qui est important, c'est d'en avoir. Ayez des critères de sélection, n'écoutez pas tout le monde, en fait. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, en bien ou en mal. Alors, évidemment, on a tous de l'ego, donc on va tous avoir... encore une fois, c'est un peu une lutte permanente, parce que l'ego va nous pousser à tout accepter. Dès que quelqu'un va vous dire un truc, croisé dans la rue... Vous allez, même si vous n'en avez rien à foutre, vous allez quand même le prendre quelque part. Donc il faut arriver à évacuer ça.
Et j'ai un dernier conseil qui va pas prendre longtemps, c'est que s'il y a quand même un avantage dans le fait d'être créa, dans cette sensibilité particulière qu'on met dans notre boulot, c'est qu'on a un peu des antennes, on sent les gens, on sent les choses. Écoutez toujours votre intuition, y compris au niveau professionnel. S'il y a un truc que moi j'ai compris en 10 ans de boulot et que j'applique à la lettre, c'est que quand je sens qu'un truc craint, pour absolument rien au monde, je le fais. Quand vous avez quelqu'un au téléphone que vous ne sentez pas, il faut absolument pas travailler pour lui. Quand vous allez signer un contrat qui vous fait peur, il ne faut pas le faire. Ça m'est arrivé pas mal de temps et tous les gens que je connais, tous sans exception qui travaillent depuis un certain temps, ils me disent exactement la même chose. Toutes les fois dans ma carrière où j'ai eu quelqu'un au téléphone, où j'ai rencontré quelqu'un en rendez-vous, je me suis dit, je sais pas, je le sens pas, mais je me suis forcé parce que bon, j'avais besoin de trouver du boulot, j'avais besoin d'argent, ou alors juste, je me disais, ah, sois pas con, tu vas pas refuser des boulots juste parce que tu sais même pas pourquoi. Toujours ça s'est mal passé. Même des fois, ça s'est bien passé au début, je me suis dit, bah voilà, tu vois, tu étais là avec ton truc là, et puis finalement, non, c'est une catastrophe. Donc, écoutez-vous, c'est super important. Bah voilà, quoi. Écoutez-vous. La situation, elle s'arrange pas parce que c'est la crise. C'est difficile, de plus en plus difficile. Le métier de graphiste et même de créatif, les illustrateurs, les dessinateurs, les auteurs, c'est difficile pour eux en ce moment parce qu'on est de plus en plus nombreux dans la place, parce que c'est des métiers qui, depuis 10 ans, jouissent d'une certaine aura, voire d'une aura certaine de métiers sympas, faussement faciles, où on est cool, où on joue dans les pubs Nutella, on est là, on slip et tout dans son ordinateur. Et alors, c'est paradoxal en fait la situation parce que on n'a jamais autant communiqué, il n'y a jamais eu autant de fric hein, et de boulot dans la com. Et pourtant, c'est de plus en plus dur de trouver du boulot parce qu'il y en a de plus en plus nombreux. Et la situation, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de graphistes, de créatifs qui vivent mal leur métier parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur place dans ce taf, hein, parce que c'est beaucoup plus concurrentiel qu'avant, tout simplement. Et maintenant, en gros, soit on est dans les 10% des meilleurs, ou des plus. Quand je dis meilleurs, c'est au sens large, c'est pas forcément. Par exemple, enfin, c'est pas forcément dans la créa ou dans la technique, ça peut être meilleur dans le sens gestion de carrière aussi, faire les bons choix. Bon, soit on est dans ces 10%-là, soit vraiment on rame. Donc, d'un côté, il y a ce mal-être qui augmente. C'est pareil chez les auteurs, on le voit bien, les auteurs édités, dans la BD, tout ça, les illustrateurs, on voit bien, quoi, c'est super dur pour eux, plus dur que jamais. Après, si ta question c'est est-ce qu'il y a eu un petit changement de positionnement, des notions un peu nouvelles qui arrivent, du type de celle-ci? Oui, il y a. Je ne sais pas si c'est moi parce que je suis branché sur les bons réseaux, mais j'ai quand même. C'est des réseaux où il y a quand même pas mal de monde. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience des créatifs, qu'il ne faut pas être juste un créatif qui a toutes ces notions professionnelles à prendre en compte. Par exemple, quand j'ai commencé, un graphiste qui refusait des compétitions non rémunérées, c'était un extraterrestre. Quand on disait, mais t'es ouf ou quoi, tu travailles. Maintenant, on en voit beaucoup. Quand des gens balancent des annonces complètement à côté de la plaque, des annonces de job où ils demandent un profil de n'importe quoi pour 500 euros par mois, avant, les gens disaient, ah ouais, bon, maintenant, ça gueule. Bon, les opérations, les concours bidons, tout ça, comment dire, se font accueillir avec des pierres quand même. Donc, il y a du mieux, il y a quand même du mieux. Il y a une prise de conscience. Après, pour que ce soit mieux, il faudrait que ce soit fait dans les écoles, parce qu'il y a un gros problème de formation. Les écoles ne forment pas au métier, quoi. Les écoles de graphistes, de dessinateurs, de typographes et tout, ils forment à la technique, mais ils sont quand même vachement dans leur bulle. Quand ce n'est pas les professeurs eux-mêmes qui incitent leurs élèves à travailler pour que dalle, hein, ça se voit souvent. Et il faudrait, pour que ce soit mieux. Comment? Tu vas te faire jeter des cailloux. Ouais, c'est pas grave, hein. Je dis ce que je vois, hein. Je généralise pas, hein, je suis pas assez bête pour généraliser, je dis que c'est des choses qui arrivent. Il faudrait que les écoles fassent un boulot plus concret à ce niveau-là. Mais oui, il y a du changement, ça change beaucoup. En mieux, en pire, ça dépend de quoi on parle, quoi. Moi, j'ai fait ce que j'avais envie.
j'ai eu du bol, c'est que ça a marché assez vite, quoi. Après, je m'y suis relativement bien pris aussi. Je me suis formé en entreprise bien comme il fallait. J'ai mis de l'argent de côté et tout. Puis j'ai fait les efforts nécessaires aussi à ce que ça marche. J'ai fait 3 réunions par jour. Je suis allé voir plein de monde pas forcément très intéressant. Et puis au fur et à mesure, ça... J'ai pas de plan. Là, je peux même pas te dire dans 2 ans si je ferai encore ce boulot, honnêtement. Tu vois, pour te le dire très clairement. Pour le moment, ça va. Mais demain, je pourrais changer parce que... En fait, avant, je voulais faire du jeu vidéo. Et j'étais en train de faire des études, je faisais de la 3D et tout à l'époque, et je me suis assez vite rendu compte que le jeu vidéo que j'avais moi en tête, où c'était des équipes de 10 personnes, tu vois, la cool, qui faisaient des jeux trop bien et tout, c'était devenu des équipes de 300, 400 personnes où tu faisais des textures toute la journée et que tu étais payé. Alors là, pour le coup, dans le genre milieu difficile pour les créatifs, le jeu vidéo, c'est pas rien, ça se pose là. Et je me suis rendu compte qu'à l'occasion du... J'ai saisi une opportunité de faire un truc pour du web, et je me suis rendu compte que le web de l'époque, en 2000, ressemblait un peu aux jeux vidéo des années 80. C'est-à-dire, c'était complètement nouveau, il y avait Flash qui arrivait et tout, c'était le truc... Et en plus, il y avait beaucoup plus d'argent à se faire. Donc je me suis dit, bon, bah, hop, on va bifurquer là-bas. Maintenant, je pense honnêtement qu'un créa, aujourd'hui, il doit s'attendre, dans sa carrière, à devoir faire une ou deux évolutions vraiment drastiques, quoi. Je pense... Enfin... Je pense pas qu'on puisse faire le même boulot toute sa vie aujourd'hui en tant que créa. D'ailleurs, je sais même pas si dans n'importe quel boulot, à part contrôleur RATP, tu vois, on peut faire ça toute sa vie, quoi. Ça devient difficile. Donc, à mon avis, non, j'ai pas de plan. J'ai pas de plan. Voilà. Non, ça me ferme des clients, mais c'est des clients dont je veux pas. Toutes ces règles-là, c'est pas des règles, mais c'est des conseils, hein, c'est des règles, ouais, bon, on dit qu'il y a des règles. J'en donne plein, ceux qui me connaissent sur les forums et tout, ils savent très bien un peu la position que j'ai, quoi. J'ai une position assez, voire très très carrée, très très raide sur certains domaines. Et souvent, on me répond, enfin, de moins en moins, mais on me répond souvent quand même, « Ouais, mais c'est facile pour toi de dire ça, t'as plein de clients, voilà, t'es installé, gna gna gna. » Ce que les gens ne comprennent pas, ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que c'est justement quand j'ai commencé à appliquer ces règles que ça s'est arrangé pour moi. C'est-à-dire qu'au début, comme tout le monde, j'ai galéré, j'ai fait des concours gratos, j'ai travaillé pour des nefles en l'échange de contrats hypothétiques, je me suis fait arnaquer sévère sur les droits d'auteur et tout, quoi, tous ces trucs-là. Et c'est le jour où j'ai dit « bon, on va arrêter les conneries maintenant, on va dire non, non, non ». C'est là où, tout à coup, bizarrement, mon chiffre, je parle pas que de chiffre, pas qu'une question d'argent, mais mon chiffre et puis aussi mes relations commerciales, mes relations professionnelles, ont grimpé d'un coup. Je me suis retrouvé avec des clients beaucoup plus intéressants, avec des contrats beaucoup plus gros, avec des clients beaucoup plus prestigieux. On va dire, bon, un pharmacie, c'est pas prestigieux, mais bon, un truc plus sympa à faire parce qu'il y a un peu plus de recherche, un peu plus d'implication. Et donc, pour te répondre, oui, c'est le courage qu'il faut prendre. Il faut justement avoir le courage de se séparer de certains clients, de perdre des clients, de rater des contrats. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des contrats ou des postes, hein, parce que c'est pareil pour les salariés, il vaut mieux ne pas emporter, hein, qu'il vaut mieux ne pas gagner, parce qu'on y perd plus qu'on y gagne dans ces trucs-là. Et c'est justement quand on se met à avoir un minimum de règles au niveau de sa pratique qu'au contraire, oui, on va perdre les clients les moins importants, mais par contre, on va y gagner parce qu'il y a aussi tout un pan de professionnels, que ce soit des recruteurs, que ce soit des clients, que ce soit des interlocuteurs, chez qui, avec une image de quelqu'un qui travaille pas cher, qui accepte ci ou ça, ils vont pas vouloir bosser avec vous. Tu comprends? Parce que c'est une image de loser, enfin, là je caricature à fond, mais en gros c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros la qualité appelle la qualité. Si on fait un petit effort de positionnement, c'est vrai qu'au début on risque d'avoir un peu peur de perdre des clients, c'est exactement comme quand on monte son salaire ou son tarif. À chaque fois, moi j'ai vu dans ma carrière, j'ai commencé à 250€ par jour, maintenant je suis à 500, j'ai fait ça par palier. À chaque fois, je savais très bien que j'allais avoir des clients qui allaient plus me suivre. Donc j'ai pris un risque, mais à chaque fois, bon, tant que c'est fait au bon moment, tu dis là c'est le moment pour que je monte. En général, ça va en même temps que ton positionnement. Ça, c'est une notion que j'ai pas abordée ici parce que c'est pas le moment. Mais le positionnement, c'est quelque chose de vraiment super important que les créas commencent tout juste à appréhender.
quand on se positionne un peu plus haut, bon, on a des clients un peu plus haut, quoi. Donc oui, j'ai perdu des clients, mais par contre, enfin, c'était volontiers, quoi. Bon, moi, je fais des sites internet, hein, essentiellement. Je regarde jamais de sites internet. Je vais jamais sur les portails de sites internet parce que c'est au niveau de l'inspiration, je considère, par exemple, un designer objet qui regarderait que des designers objets, il prend que de la bouffe prédigérée, hein, parce que le principe de la création, pour moi, c'est de prendre des influences d'un peu partout et de les remixer avec sa personnalité et d'en faire un nouveau média, un nouveau support. Reprendre la même chose que ce que tous les collègues font, c'est idiot. Donc moi, ma veille, je la fais pas sur Internet, honnêtement. Je la fais quand je vais au Cinoche, quand je joue aux jeux vidéo, quand je vais dans des magasins de fringues, quand je vais dans des trucs comme ça. Je la veille, je la fais partout, sauf dans mon métier. En fait, c'est bizarre, voir des sites Internet, ça m'intéresse pas. C'est comme si j'étais dessinateur de BD et que je lisais jamais de BD, tu vois. Donc cette veille, je la fais vraiment de façon... presque involontaire, en fait. Je me dis jamais, non, pour te répondre, je me dis jamais, bon, là, maintenant, pendant une heure, je vais voir ce qui se fait. C'est vraiment pas ça, quoi. Je vois ce qui se fait en traînant avec d'autres, avec des collègues qui partagent mon bureau, en discutant sur les réseaux sociaux, en voyant un peu les trucs. Quand les clients viennent me voir avec leurs projets, bah, du coup, je vois où eux, ils en sont, quelles sont les problématiques de la com à ce moment-là. C'est comme ça que je veille, ouais. Moi, j'ai une règle d'hygiène. Là, par contre, je ne me permets pas de la conseiller aux gens parce qu'elle est quand même particulière. C'est que je considère qu'au moins une ou deux fois par an, il faut claquer une porte quand même, il faut se barrer d'un projet. Je trouve que ça, c'est sain. C'est-à-dire que tous les ans, au moins, il y a un projet qui part un peu en cacahuète où j'y allais tout vous faire foutre et puis je me barre. C'est pas, je ne me dis pas, oh là là, on est en décembre, il faut que j'envoie se faire foutre quelqu'un. Mais disons que je me suis rendu compte que de temps en temps, c'est bien de faire un peu le. Comme je dis souvent. C'est pas mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est pas d'être le relou de service, hein, d'être le mec perçu comme le gros casse-bonbon. Hein. Au contraire, avec là, ça peut donner l'impression, mais en fait, avec mes clients, je m'entends très bien en général. Hein. Tout se passe très bien, hein. On est cool et tout. Mais comme je dis souvent, quand la relation doit un peu se complexifier, il vaut mille fois mieux être le casse-couille que la bonne poire. Là, c'est... par exemple, je parle, bon, aussi, ma femme a été auteur de BD pendant un moment. Ouais, j'ai une petite dent contre les éditeurs, c'est vrai, j'avoue. Elle est tombée sur des gros guignols. Et je lui ai expliqué, et je m'en suis rendu compte aussi en même temps que je profitais de son expérience à elle par procuration, que les choses allaient mieux du moment où elle était perçue comme un peu une relou, mais qui allait te faire chier, quoi, si tu... Et donc, du coup, on te laisse beaucoup plus tranquille. Donc oui, c'est un peu compliqué, si tu veux, mais il faut arriver à savoir quand il faut être chiant, quoi. Tu vois ? Ça, quoi. Moi, je m'impose entre guillemets des règles, c'est au niveau de la gestion commerciale, tu vois, encore une fois, au niveau de ce que j'accepte ou pas dans le business, hein, parce que je parle de ça. Maintenant, au niveau créatif et tout, je suis assez souple. Hein. Moi, je sais que je marche bien dans le métier parce que je suis très polyvalent, je m'adapte un peu à tout et je fais beaucoup de trucs pourris. Hein. Je mets pas tout dans mon bouc, quoi. Et ça, tout le monde le fait, quoi. Et puis, des fois, il y a plein de trucs qui commencent super bien. Était trop content, et puis après, les clients arrivent, et puis, je fais, bon, bah, qu'est-ce que tu fais, tu vas pas... Quand je dis que des fois, je me casse d'un projet, c'est pas pour ces raisons-là. C'est pas parce que au niveau créatif, je me sens vexé dans mon ego d'artiste et tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que les gens, ils me prennent pour un con, et là, en général, c'est pour ça. Par contre, oui, mais des projets pourris, on en fait tous, quoi, tout le monde en fera. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire de la qualité à peu près constante dans tout ce que je fais, quel que soit le secteur de communication. Moi, j'ai totalement conscience de ne pas être le plus créatif, ni d'être le meilleur techniquement, ni rien. Surtout maintenant, parce que quand on voit ce que les jeunes ils font et tout, tu te dis vraiment. Par contre, ce que j'ai et qui marche bien, et là-dessus, c'est là-dessus que moi je me positionne, c'est que j'ai maintenant pas mal d'expérience, parce que j'ai fait 500 missions, tu vois, et je fais de la qualité. Je ne vais pas forcément faire le truc le plus créatif. Moi, j'écoute bien les clients et j'analyse bien ce qu'ils veulent.
J'ai appris quand j'étais encore salarié, j'ai eu la chance de bosser avec un gars d'une cinquantaine d'années qui était expert qualité, ingénieur qualité, dans une boîte de graphisme. C'est un poste qu'on voit pratiquement jamais. Je comprenais même pas ce qu'il foutait là au début. Et petit à petit, le gars, il m'a expliqué ce que c'était que la qualité, que c'était pas du tout un truc subjectif, genre oh, ça c'est beau, c'est pas beau, ça avait rien à voir avec ça. La qualité, c'était répondre aux besoins implicites et explicites du client, et que ça pouvait se mesurer de façon assez, assez quantifiable, assez claire. Et moi, c'est ça mon objectif. Hein. J'essaie de faire de la qualité, j'essaie de faire quelque chose objectivement qualitatif, donc qui va répondre aux objectifs clients. Et en général, c'est pour ça que ça marche bien, c'est que quand les clients viennent me voir avec un brief, quand ils me briefent correctement, je vais rendre assez vite le truc vraiment qu'il faut. Et donc après ça marche, ça donne des bons résultats et tout. Mais c'est vraiment pas sur l'aspect créatif débridé et tout ça que je me vends, quoi. Clairement pas. Aux amis, oui. Aux clients, jamais. Mes clients ne sont pas mes amis, quoi. Jamais. Mes clients, tant qu'ils sont mes clients, c'est jamais mes copains. Jamais, jamais. Encore une fois, j'ai des relations très amicales, très sympas, enfin, pas amicales, mais très sympas avec la plupart d'entre eux. Je bosse avec eux de façon très, voilà, très cool. On se fait confiance vraiment. Des fois, je bosse pendant 2 mois pour certains clients, j'ai même pas de bon de commande. C'est vraiment des trucs très. Mais c'est jamais mes copains. Et pour mes clients, je bosserai jamais gratuit pour eux, parce qu'une fois de plus, c'est ce que j'expliquais là, c'est que tous les gens que je croise dans mon métier, qui sont du côté client, ils sont là pour gagner de l'argent, ils sont là pour gagner leur vie, et moi aussi, tout le monde le fait. Donc je vois pas pourquoi eux... Enfin, c'est comme le bénévolat. Pour moi, le bénévolat, parce que ça répond un peu à ta question, le bénévolat, ça vaut que si personne gagne de l'argent, on est d'accord. Il y a une cause, un truc à défendre, qui te motive et tout. Les gens se mettent à travailler gratos là-dessus. Personne ne doit gagner d'argent. À l'inverse, les associations et tout qui disent « Ouais, faites du bénévolat pour nous, parce que comme ça, on fait rentrer des thunes dans la caisse de l'association, et puis après, on va payer les gars qui vont s'occuper du son, des machins, ou les artistes, et je parle par exemple des associations de concerts. Tout le monde est payé, sauf le graphiste qui va faire les affiches, tu vois. Oui, c'est du bénévolat. Non, c'est pas du bénévolat, tu vois. Donc, le problème, c'est que moi, dans mes relations professionnelles, personne n'est en position de me dire « Tiens, regarde, je fais du bénévolat. » Ou alors, le bénévolat, ça serait pour un truc qui m'intéresse particulièrement. En l'occurrence, j'ai pas ça. Par contre, oui, je rends des services à des amis, à mon épouse qui a sa boîte, je lui fais toute sa com, évidemment, gratos. Quoi. aujourd'hui, je suis là, tu ne veux même pas payer, tu vois. Le bouquin que j'ai fait, j'ai gagné de l'argent, mais j'ai perdu beaucoup plus que j'ai gagné. Le bouquin, par exemple, bon, bah, tu vois, le bouquin que j'ai écrit, j'ai été contacté par Erol. Ça m'a pris un an, on va dire, à mettre le truc en place, faire le plan, machin. D'abord, j'ai refusé, parce que ça me faisait un peu chier, puis je ne me voyais pas écrire un bouquin. Après, j'ai fait un plan et tout. Bon, j'ai pris 2 mois et demi, où j'ai carrément coupé tous mes contrats pour pouvoir rédiger le livre. Ça fait une grosse perte, hein. Enfin, ça fait un gros manque à gagner. 2 mois et demi en plein milieu d'année, ça peut être entre 8 000 et 12 000 euros, tu vois, ou peut-être même plus. Ouais, plutôt 15. Et je me suis fait, là, depuis la sortie du bouquin, j'ai dû me faire 5 000 euros. Et il était évident depuis le départ pour moi que j'allais pas gagner d'argent dans ce truc, j'allais plutôt en perdre, entre guillemets. Donc, et ça, je l'ai fait juste par goût de la pédagogie et parce que j'avais envie profondément, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis sur les forums et tout, j'ai envie profondément que nos métiers de créatifs soient un peu poussés vers le haut, s'en sortent un peu mieux, parce que je suis convaincu que plus il y aura de gens qui travaillent correctement, mieux ce sera pour tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que je ne considère pas tous les gens, tous les confrères à qui je parle dans les forums et tout, je ne les considère pas comme des concurrents. C'est mes concurrents, on pourrait se dire que tous mes trucs, je devrais les garder pour moi, mais je considère que plus on est à avoir de bonnes pratiques, à trouver comment s'en sortir, mieux ça va pour tout le monde. Et donc, pour te répondre, oui, je trouve le temps de faire des trucs désintéressés, ouais. Ouais, quand même. Par contre, j'ai pas du tout le temps pour des projets perso, j'en fais pas, j'ai pas le temps, et ça, c'est très mal. Parce que je me suis rendu compte que les projets perso, c'est ce qui permet de garder la gouache. Parce que justement, quand toute la journée, on fait des compromis au niveau de son travail, on fait des trucs beaux, on peut pas le faire des trucs beaux, c'est assez usant pour le... On en vient vite à faire de l'alimentaire et à plus en avoir rien à faire, en fait. Et il est très important, et moi je le sais d'autant plus que je le fais pas assez,
vraiment pas assez. Depuis quelques années, j'en fais plus du tout. Il est très important de garder des projets perso pour essayer de garder cette motivation, pour essayer de garder le jus quoi, du truc. Et ça peut être des projets, quand je dis perso, ça peut être des trucs justement faits pour rendre service, pour aider, quoi. C'est comme ça, tu joins l'utile à l'agréable, c'est pas mal. Merci Julien, merci beaucoup.